Il s'enfile. C'est un organisme à but sans but lucratif qui est composé uniquement de bénévoles dont l'objectif est de proposer sur l'île de Montréal un accès à l'Internet sans fil gratuit. C'est un groupe de personnes qui ont envie de faire de la technologie, quelque chose d'accessible à tout le monde. Ce sont principalement des lieux publics, comme des cafés, des bars où nous sommes, des restaurants, certains parcs également de l'île de Montréal. L'organisme est né en 2003, un petit groupe de citoyens de Montréal qui se sont réunis avec cette idée folle, proposant de l'Internet gratuit sans fil sur l'île. Ça a un peu commencé comme ça, disant « j'aimerais bien être capable de travailler ici en prenant un latte, donc j'ai installé un point d'accès sans fil ici. » Ça fait boule de neige un peu. J'ai pris ma retraite en 2001. Et je cherchais quelque chose à remplir mes heures vides, quelque chose qui me permette de contribuer à la communauté, mais en même temps que je puisse utiliser mes talents technologiques. Presque chaque bénévole a sa propre raison d'y être. C'est une façon de rencontrer du monde intéressant et de contribuer à un projet de société que je trouve vaut la peine. Quand on fait du bénévolat, on fait ça, on est libre de faire ça. Fait que c'est sûr que le milieu de travail, le milieu en fait du bénévolat est un milieu qui est agréable pour ça. Moi-même, j'ai un bénéfice à donner du temps et sans fil, c'est que j'en ressors de l'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bénévole, mais il y a toujours un retour. C'est quoi? C'est le côté social. On rencontre des gens, on fait des connaissances, des amitiés. Mais il ne faut pas se le cacher, au niveau professionnel, ça nous amène des contacts intéressants des fois. Donc, c'est des relations gagnant-gagnant. Voilà. Et c'est vrai.